Salut les amis, j'espère que vous allez bien, même très bien. La vidéo du jour porte sur où est-ce que vous avez de la chance. Où est-ce que vous avez de la chance? Parce qu'en fait, la chance, on a la possibilité de l'avoir tout le temps. Einstein, il dit, il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y en a pour qui tout est un miracle, et il y en a pour qui rien n'est un miracle. Et comme il le dit, j'ai décidé. Avant, lorsque je voyais un peu toute la vie en noir, je voyais que rien n'était un miracle. Or, aujourd'hui, je m'aperçois que tout est un miracle. Je suis en train de changer ma physiologie, ma psychologie, ma façon d'être, parce que je décide simplement de changer le bouton. Vous voyez, un bouton qu'on peut tourner, rien n'est un miracle, tout est un miracle. Et il y a juste à faire ça en soi, dans son corps, et se rappeler ben, en quoi c'est un miracle. Donc là, ben, les fêtes de fin d'année, les lumières, la possibilité de regarder les gens passer, la musique qui est offerte, tout ce qui est offert, la luminosité, les personnes qui passent, et que même malgré la crise qui est en train d'arriver, qui est présente, la crise sanitaire, on en fait tous les états, mais on voit qu'en fait la vie persiste et continue, parce que en fait tout est un miracle, et tout le monde y croit au fond de lui, parce que si personne n'y croyait plus, il n'y aurait plus rien. Et on y croit avec cette forme de peur. Maintenant, si on enlève la peur et qu'on voit que tout est un miracle, bah en fait, c'est cadeau. Tout est cadeau. Et donc voilà. Il y a même un nounours là-bas, illuminé. Je fais un petit tour. L'ours là-bas. Hop, là, ici. Et on a un autre ici. Et voilà, cette notion d'en prendre plein les yeux, de se poser, de se dire, même le traîneau du Père Noël qui est là, de se poser, de regarder, de s'offrir en fait ce temps, ce luxe, et se dire que tout est un miracle, tout est cadeau. Il y a juste la possibilité de se dire, j'ai le choix, soit je me dis que tout est un miracle, rien n'est un miracle. J'aurai autant d'arguments pour prouver l'un ou l'autre. Sauf que si je suis addict à prouver l'un et pas l'autre, eh ben ça va être complexe. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas y arriver. Alors maintenant, je m'offre la possibilité de voir que tout est un miracle et je cherche à prouver en quoi c'est un miracle et non plus le contraire comme je le faisais. Voilà, les amis. Faites votre choix, mettez le curseur sur ce que vous voulez et donnez-vous la possibilité. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, ayez le smile et kiffez la vie, regardez en quoi c'est un miracle. Allez, je vous dis à bientôt et au plaisir. Ciao!